Et alors? J'ai failli attendre. Excusez, mon jeune maître. Je n'ai pas entendu les 12 coups. Il y a un cafard qui habite dans mon oreille. Ça me fait du fouillis dans l'auditif. Ne perdons pas de temps. Ah oui, allons-y. Oh, belle assistance. Vous croyez qu'il y a des vierges? C'est une denrée de plus en plus rare. Ah oui, il y en a. Oh, mon maître! Debout, ils sont tous là! Il y en a 500 au moins! 500, tu exagères, non? Et je parle en litres! Ah oui! Il y en a bien 500 litres quand même! Oui, oui, les 5 hectos, on les a, c'est sûr! C'est sûr! Maître Dracula, réveillez-vous, c'est l'heure! Réveillez-vous! Les nuits d'été sont courtes! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous êtes souffrant, mon oncle? Oh, mon maître! Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il a? Depuis quelque temps, il fait sa feignasse, mais c'est fini! Mais tu es malade de taper comme ça! Ça résonne là-dedans, il va avoir la tête en vrac! Oh, mon maître, vous êtes là? Laissez-moi dormir! Non, mais si vous restez là, vous allez coaguler! Oh là là, c'est bizarre, on dirait qu'il flippe, hein? Oh! Vous flippez? Bon, allez, laisse tomber, il a un coup de fatigue, il finira bien par se lever. Ah ben franchement, il exagère, hein. Fatigué à 250 ans, ouais, c'est la fleur de l'âge. Voyez-moi ces petits vampires, aux prises avec les turpitudes du monde moderne. Je voudrais bien vous y voir, mon oncle. Une charmante jeune femme, mais elle sent la cuisse de grenouille. Ah oui, elle se moque de nous en plus, ça va. Le bulle est au pied. Eh oui, nos virées nocturnes deviennent pathétiques. Moi-même, l'autre nuit, je suis tombé sur une jeune pubertine de 13 ans. Oh, wow, la chance! Elle était toute seule? Oui, toute seule comme ça dans la rue. Elle fumait une cigarette. Oh, c'est scandaleux, mais que font les parents? Je sais pas. Alors j'approche. Je m'approche et je m'apprête à lui ponctionner son délicieux résiné. Et alors elle se tourne vers moi, pas démontée, et elle me dit... Qu'est-ce que tu fous avec ce déguisement du con? C'est pas Halloween? Non. Ça m'a coupé la chic. Quand elle a ajouté « Casse-toi, pauvre con, tu pues comme un parking », moi j'ai eu ma dose, je suis parti comme un péteux. Vous vous rendez compte, le prince des ténèbres, ridiculisé par une gamine? Oh! Où elle est cette pucelle? Je vais lui arracher les yeux. À quoi bon? Tous les jeunes sont du même moule aujourd'hui, gavés de jeux ordinateurs et de films débiles. Oh, ça c'est bien vrai. L'autre jour, je me promenais dans le quartier gay, j'ai abordé un charmant jeune homme. Trop tard, mon poulet, je suis déjà vaxé. Oh, le nu! Eh oui. Surtout qu'il se marie aujourd'hui, il ne se vaxe plus. Eh oui. Le monde s'effiloche, on ne les impressionne plus. Ouais, c'est pour ça que vous tardez à vous lever, mon oncle. Oui, je dépressionne et j'en ai gros sur le cœur. Sur le quoi? Sur le cœur. Ah, connais pas. Faut vous mettre au Temesta, c'est la solution. Le Temesta, c'est quoi cette chose? C'est un antidépresseur. Oui, j'ai un ami vampire qui tourne autour des pharmacies de nuit. Il paraît que beaucoup de gens se soignent avec ça dans le pays. Il vous suffira d'en ponctionner 2 ou 3 par semaine et tout ira bien mieux. Hors de question, le comte Dracula n'ira pas dans les paradis artificiels. Je veux rester bio. Bio? Comme les écolos? Vous voulez saigner une betterave? Mais ouvrez les yeux. Les villes n'ont plus d'attrait pour les vampires. Elles sont trop polluées, trop éclairées. Oui, trop bruyantes. Voilà, on ne peut plus faire notre business. C'est un problème. Ouais, mais il faut vivre avec son temps. Oui, mais où sont donc vos valeurs, mes frères? Mais quelles valeurs? Eh bien, la poésie du mal. La malédiction, le diable. Les bonnes odeurs des caveaux humides. Oh, tout ça... À moi, mon maître, la bonne odeur, je la travaille avec moi. Sans petit, ma bonne haleine de cimetière. Et toi aussi, Globuli. Toi aussi, un jour, tu prendras des bains et tu iras te parfumer à l'eau de toilette de chez Rock et Claire. Ah bon? Oh, pour ma part, je préfère Poison de Dior. Ah oui. Oh, c'est un parfum qui plaît aux femmes, mais il plaît aussi aux hommes. Oh,
Je m'aime, Anor. Tiens. Quand je vous dis que c'est pathétique, c'est pathétique. Hein. Bah, c'est surtout mal joué. Eh bien non, moi je ne boirai pas le sang comme on boit un coca dans un McDo. Et je refuse de ces banlieues tristes aux rues désertes. Non, moi c'est pareil. J'ai horreur des artères vides. Et je déteste me faire traiter de cave par des petits puceaux. D'accord avec ça, mon maître. Vaut mieux se faire des petits puceaux dans les caves. Bon alors, c'est bien beau de tout rejeter, mais que proposez-vous, mon oncle? Ce que je propose? Oui. Ce que je propose? Je propose de me recoucher pour réfléchir. Je vais réfléchir et attendre, comme François Hollande. Mon maître, vous n'allez pas réfléchir. La dernière fois que vous l'avez fait, ça a duré 3 ans. Qu'est-ce que 3 ans dans nos vies éternelles? Oui, en tout cas, c'est pas sympa. Faites-en autant et rendez-vous en 2018. Sans doute que Sarkozy sera de retour. Et voilà. Démerdez-vous, je prends mes RTT. Ne vous étonnez pas si vous avez des courbatures, vieux machin. C'est ça! Faites-vous casser les dents par un tyrannosaure! Bon, qu'est-ce qu'on fait, mon jeune maître? On continue la dégustation, j'en appelle une. Non, moi, il m'a coupé l'envie, ce ravageois, j'ai plus envie. Moi, je veux ma dose! Ça y est! J'ai la solution! Déjà? Oui, déjà. J'ai eu un flash. Un flash? Oui. Pourquoi il y avait un radar? Non, un flash, j'ai réfléchi, j'ai trouvé la solution. Oui, puisque tout va très vite dans ce monde, il faut se placer devant. Où ça? Là? Non, devant, c'est une métaphore. Non, ça c'est un cercueil. Il est con, il est très très con. Puisque tout va très vite, il faut être les plus rapides que les autres. N'est-il pas? Les plus rapides. Allez, plus rapide! Pigé! Je vais voler une Ferrari! Mais non! Qu'est-ce qu'on a besoin d'une Ferrari? Oh là là! Puis rouler en Ferrari, comme les footballeurs de l'OM, et maintenant de Montpellier. C'est un nul! Non, on peut ne pas rouler en Ferrari, mais on peut être en première division. Et devenir les puissants de ce monde. Oui, et s'allier avec eux, et ensuite les mettre à nos pieds. À nos pieds, c'est possible ça? Oui. Dans mon demi-sommeil, j'entendais l'un de vous qui parlait de ponctionner le citoyen. Ah oui, c'est moi, mon maître. Elle est là, la solution. Nous allons continuer à ponctionner le citoyen, mais nous allons remplacer le sang, le dollar. Non, le sang par... Le sang par du dollar. C'est ça. 250 ans d'élevage. Ça fait 250 ans que je dors, je ne trouve plus mes mots. C'est ça, ce poussière, ça embrume. Ça embrume, oui. Enfin, ce dollar, cet affreux billet vert. Oui, c'est affreux brique bivet. C'est plus ce que je dis. C'est la force mondiale des anglo-saxons. On doit bien aller vous recoucher quelques instants. La force mondiale des anglo-saxons. Ah, le billet vert. Ah, j'aime pas le vert. Ça me dégoûte. Moi, je préfère les manger, les verts. Fermez-la, je vous explique. L'autre nuit, j'errais dans le quartier des affaires. J'appuie un building d'au moins 30 étages, du nom de Plasma Finance. Ah oui, Plasma, ça c'est bon. C'est ce que je me suis dit, c'est bon. Alors j'escalade la façade comme une méchante araignée et je colle mon nez à la vitre du 10e étage qui était encore éclairée. Et là, j'avise une jeune créature qui expliquait des choses à des jeunes hommes aux dents très très longues. Des vampires? Je ne sais pas, ils se disaient requins de la finance. Ça parlait spéculation, bénéfices records, pognon. Il me semblait qu'ils avaient les dents encore plus longues que nous. Les enfoirés! Moi, j'aime pas la concurrence, mon maître. Mais bon, les requins, ça me fait peur. Et j'aime pas le poisson aussi. Mais au contraire, il faut s'allier avec eux. Il me semble qu'ils incarnent l'esprit du mal avec une telle maléfice que nous, à côté, nous sommes des petits louveteaux. Ah oui! Des plus salopards que nous, ça me ferait mal au cul, cette histoire. Personnellement, les questions d'argent, j'y connais pas grand-chose. Sans vouloir faire de vilain jeu de mots, je me fais toujours payer en liquide. Ah oui, oui. En liquide, moi aussi, hein, soeur. Eh ben, vous ferez comme je l'ordonne. Je m'en vais quérir un spécialiste de la finance internationale. Il va nous forger au métier du capitalisme. Et croyez-moi, nous allons retrouver notre puissance. Ne bougez pas là, je reviens. Eh ben voilà.
Va falloir pomper du pognon maintenant. Vampire de banque, on aura tout vu. Ouais, parce que, à part gonfler l'écureuil de la caisse d'épargne, je vois pas où est le plaisir. Mais il a toujours eu des idées à la con. Souviens-toi, en 1789, il voulait nous faire jouer les sans-culottes sanguinaires. Oh, remarquez, c'était la bonne époque. Hein. Moi, je traînais souvent près des guillotines et je vidais les têtes qui tombaient. Il suffisait de mettre une paille par les yeux et... Mais quoi, c'est génique, hein. Mistral gagnant, t'étais là. Moi, j'ai pas trop aimé cette époque, quand même. C'était hard, hein. Non, pour la Révolution, je préfère François Hollande. Il est un peu mou du cul, mais c'est un président normal. Et puis, en plus, il a instauré le mariage homo. Homoglobine ? Ben non, idiot. Homosexuel. Oh. Ça y est, messieurs. Ah. J'ai trouvé ce que je cherchais. Notre formation commencera demain à l'aube. À l'aube ? Oui, à 7 heures précises. Mais vous n'y pensez pas. C'est l'heure où le soleil se lève. Eh bien, vous mettrez des lunettes. Oh. Nous redevenons des communs mortels. C'est ça. Et des casquettes aussi, comme les petits branleurs des cités, hein. Vous ferez comme je l'ordonne. Et à partir de maintenant, j'interdis toute virée nocturne. Compris ? Ah, mais ce n'est pas possible. Si nous ne sortons pas régulièrement, comment ferons-nous pour avoir notre dose quotidienne ? Oui, comment ? Mais il y a des solutions pour ça. Voyez cette chose. Kazako. Les humains appellent ça du café lyophilisé. Alors ils versent de l'eau très chaude sur une poudre de café et ça devient du Nespresso. What else ? Il suffira de remplacer le sang séché par du sang séché, ça deviendra du Nespresso. Voilà. Oh là là, quelle horreur. Boire du sang dans des tasses, comme les vieilles anglaises. Ah, ne critique pas les vieilles anglaises. Margaret Thatcher, qui nous a rejoint il y a peu, est quand même quelqu'un d'admirable. Hein, question capitalisme, elle en a sucé du pognon. C'est vrai qu'elle... Elle en a sucé des Anglais. Ouais, elle pompait bien, oui. Voilà. Bon, sur ce, je vais me recoucher, histoire d'être en forme dès demain. Faites-en autant. Bonne nuit, messieurs. Il a dû attraper la foudre quand il a grimpé sur le building. Ou alors, il y a une blague qui creuse des galeries dans son cerveau, là. C'est la dépression, je te dis. Chaque fois qu'il n'y a qu'un truc qui va pas, il retourne au pieu. Ah ! Ne prononcez pas ce mot-là, malheureux. Quel mot ? Ah, pieu ! Ah ! Excuse-moi, ça m'a échappé. Bon, qu'est-ce qu'on fait, hein ? On continue la java ? Ah, j'aimerais bien, mais dis... Tu veux désobéir à Dracula, toi ? Mais on s'en branle du vieux ! Oui, j'entends tout, le vieux ! Oh là là ! Oh, il nous énerve, le vieux machin, hein ! Se recoucher alors qu'on n'a même pas sucé, hein ! Et en plus, devant tout le monde, regarde ! Il y en a même qui se moquent de nous. On m'en fout, moi je vais prendre quelqu'un, je vais l'emmener dans ma boîte. Ah, reste ici ! Tu retournes dans ta boîte ! Je leur donne et on obéit. M'en fous, j'ai des provisions. Ah, c'est des cernés, là. Ah, il est tout frais des années 60. Il y en a encore plein à sucer là-dedans. Alors, messieurs, de... Oh, c'est pas vrai, ils ne sont pas encore levés. Debout, quand je dis 7 heures, c'est 7 heures. On se lève. Laissez-nous dormir. Levez-vous, je mets le feu à vos boîtes. Soleil, lumière. Ah non, non, non. Ah non, pas la lumière, c'est pas sympa, ça. Enfilez ça. Hein? Prenez ça. Qu'est-ce que c'est ça? Tenez. Ce sont des lunettes. Mais dis donc. Je les ai eu à affler, nous. Deux pour le prix d'une. Mais on est ridicule avec ça, dis donc. Hé, hey, on dirait Amadou et Maria, mais... Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Fermez-la. Fermez-la, le formateur arrive. On se tient bien, on sort des boîtes.
Il se tient avec classe et élégance. Bonjour. Oula. Bonjour, messieurs. Quoi, il y a un problème? Je ne comprends pas, on m'avait annoncé le grand spécialiste de la finance, monsieur Jérôme Cahuzac. Oui, mais il a été appelé à un congrès à Fleury-Mérogis. Oui, alors c'est moi qui le remplace. Ah bon? Je me présente, Natacha Nivakin de Plasma Finance Internationale. Je vous connais. Ah oui. Je vous ai vu l'autre soir à votre réunion. Vous y étiez? J'y étais, oui. Ah bah tant mieux. Oh bah, ça facilitera là, la prise de compète. Oh mais c'est ici que ça se passe? Oui, c'est notre modeste demeure. Bon, on m'avait prévenu, hein, mais il faut s'accrocher quand même. Mais je vois pas, mis à part l'heure à crever, le moisi et le cadavre, je vois pas ce que ça sent. Ben oui, ça sent normal, mais elle est ouf celle-là. Attends, je vais la saigner pour qu'elle comprenne. Non, 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 tu vas chercher. Personne ne touche, c'est compris? Tu paies rien pour attendre. À la blague. Vous savez, j'ai rapidement étudié vos coutumes. Bon, cela ne me gêne pas outre mesure. Oui, j'ai formé des mormons, des catalans, des intégristes, des dictateurs arabes et latinos aussi. Et même des vieillards du Vatican. Alors que vous soyez vampire ou star du showbiz, cela n'a pour moi aucune importance. Et oui, dans le monde capitaliste, nous n'avons pas d'a priori. Bon, mis à part les minorités stupides, oui, genre indignés, communistes, ou Bakou l'écolo, bien sûr. Bakou l'écolo, comme c'est bien dit, vraiment. Oh, mais nous pensons pareillement, mademoiselle. Moi, j'ai rien compris. Vous l'ouvrirez quand je vous le demanderai, merci. De quoi? Quand on a un physique de bestiole nauséabonde, il est préférable de rester discret. Quoi, moi, une bestiole? Attends un petit peu, toi. You talking to me? You play with your life? Vous pouvez retenir votre monstre, merci. Bon, Gabeline, je t'ai déjà dit de retourner à la boîte. Ouais, mais faut pas qu'elle me cherche. Allez. Vous savez, j'ai étudié vos points faibles, hein. Et je ne suis pas venue les mains vides. Goussadaï! Oh, ah! Crucifix! Oh, miroir! Oh, et même la photo de Christine Boutin. Ah, rangez ça. Bien, alors qu'on me laisse faire mon travail. Vous me payez assez cher pour que tout se passe dans la sérénité, d'accord? Ah bon? Parce qu'on la paye en plus. Évidemment, tout se monnaie chez les humains. Continuez, jeune fille, nous sommes pendus à vos lèvres. Mais... Avant que ce soit tête qui soit pendue au nôtre. Le dimanche à Bamako, c'est le tour d'un mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le tour d'un mariage. Le dimanche. Bon, prenez des sièges, installez-vous. Hein. Oh non, vous, assez loin à cause de l'odeur. Hein, c'est très... C'est vrai qu'elle schlingue. Bon... Je vais commencer par étudier vos aptitudes, hein, au principe de transaction internationale. Donnez-moi le nom d'un produit ou d'une chose qui vous paraît inutile dans ce monde. Inutile? Vous. Oui, moi. Ça commence fort, hein? Mais en dehors de moi. Moi, je dirais une pendule. Et pourquoi? Complètement inutile, une pendule. Demande pourquoi. Mais vous ne savez pas que pour nous, le temps s'est arrêté depuis très très longtemps. Oui, mais pour les capitalistes, le temps, c'est au contraire de l'argent. Trouvez autre chose. Oh... Moi, je dirais un urinoir. Ah oui, un urinoir. Ah, complètement inutile, un urinoir. Mais pas du tout, pourquoi? Pourquoi? Mais vous ne savez pas qu'un vampire ne pisse jamais. Et paf! Baiser la super prof. Comment je pourrais pisser, ma clé est tombée en 1630. Bon, écoutez, monsieur Dracula, ça ne va pas être possible. Ah bon? Bah, je n'ai pas fait HEC, l'ESSEC, l'ENA, et puis Sciences Po, oui. Et pour me laisser traiter comme ça. Vous avez tout à fait raison. Alors ça suffit maintenant, hein? La jeune fille est là pour nous redonner du 109. Ah oui, du 109. On voit ses parents. Oh oui, oui.
Je veux un produit du monde des vivants qui vous paraît inutile. C'est pas compliqué. Produit inutile, c'est compliqué quand même. Oh, si, je dirais un DVD d'Anne Roumanoff. Non, trouvez autre chose. Oh, de la salade. Il y a bien quelque chose d'inutile, c'est la salade sur cette terre. Oui. Bon, alors d'accord, admettons. Ah, admettons de la salade. C'est bon. Alors imaginez maintenant que vous disposez de 5 tonnes de salade et que vous devez la vendre. Ça va pas la tête. On est des vampires, pas des limaces. J'ai dit imaginez. 3 solutions pour vendre cette salade. Laquelle allez-vous choisir? Petit A. Vendre rapidement, mais à perte. Petit B. Prendre le temps de vendre à bon prix, mais en risquant que le stock s'abîme. Et enfin, petit C. Vendre à prix fort en faisant une publicité coûteuse, mais efficace. Rien compris, moi. Moi, je dirais petit C. Bravo! Oh, j'ai bon. Je deviens capitaliste, vous voyez. Eh oui, il faut valoriser le produit. Ah bon? Même s'il ne présente aucun intérêt. Ah oui, mais alors comment faire? Oh, une petite pub, par exemple. La Batavia Dracula est un velours pour l'estomac. Et la seule salade qui me ranime, c'est les pissenlits par la racine. C'est un exemple. Mais l'image à Braco, le jour de mariage. C'est un exemple, crétin. Oui, c'est un exemple, crétin. Car on peut faire du commerce avec n'importe quoi. Il suffit pour cela de créer le buzz. Créer le buzz. Oh, j'adore ce mot-là. Créer le buzz. Créer le buzz. Si j'ai bien compris, cher ami, moi-même, à une époque, j'avais pensé, imaginé de créer une ligne de cercueil. Pourquoi pas? Dans un cercueil, Dracula, Morphée te prendra dans ses bras. C'est pas mal. Dans un cercueil, Globuline, tu feras moi la maligne. Et dans un sanguignol, les asticots danseront la carayole. Mais dimanche à la bateau, que les jours de mariage... Oh, ça va, ça va. Bon, écoutez, mon oncle, nous n'allons tout de même pas nous commettre dans ce genre de commerce vulgaire. Non, mais nous pouvons vendre notre image, comme des Zidane ou des Delon. Vendre notre image? Mais vous n'y pensez pas, mon maître. Non, mais regardez dans les miroirs. On n'a pas d'image, on n'est pas dedans. Ah, mais oui. Mais il a raison, surtout lui. Vous avez vu la gueule de son image? Eh bien, détrompez-vous. Il a un potentiel à utiliser, hein, c'est évident. Ah, t'as vu? Elle a remarqué mon potentiel. Dis, je verrais bien quand même Globuline là dans une publicité. Mais pour un produit qui éliminerait les champignons des ongles de pied, par exemple. Ah, quoi? Oui, la sale bête qui fait des taches jaunes. Oh, mais c'est dégueulasse, votre truc. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec mes doigts de pied? Il m'en reste plus que deux. On va pas te les embrasser, c'est sûr. Tu vas faire la sale bête. Oui, pour le buzz, pour le buzz. Si j'ai bien compris, jeune fille, votre système, c'est de faire de l'argent par tous les moyens. Voilà. Oh, oui. Mais pourquoi faire de cet argent? Le placer, bien sûr, pour qu'il rapporte plus encore et encore et encore. Ainsi, vous mangerez le monde comme des sauterelles dans un champ de maïs. Ah, manger le monde comme des sauterelles, ça me plaît bien, ça. On va manger des sauterelles? Mais non, nous allons redevenir les puissants de ce monde et gagner plein d'argent. Bon alors, je vais faire maintenant quelques tests pour étudier votre profil. Concentrez-vous et faites-le vite dans votre tête. C'est fait. Bien. Je vais vous donner des mots. Et vous me répondrez du tac au tac, hein, sans réfléchir. Attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Oh, il faut répondre sans réfléchir. Oh, très bien. Sans réfléchir, ça je sais faire. Alors, si je vous dis par exemple, président. François Hollande. Flamby, Kate Moon, capitaine de pédalo. Et on a des sobriquets pour Hollande. Président. Camembert. Oui, pourquoi pas. Bien, si j'essaye avec grand patron, qu'est-ce que... Tête de con. Ouais, si j'ai tête de con. Grand patron. Ça. Essayons maintenant avec CAC 40. Alibaba. Alibaba. Ah
Baba et les 440 voleurs. De mieux en mieux. Peut-être un essai avec 100%. Œil pour œil. Dent pour dent. Œil pour œil, 100%. Dent pour dent. Je crois qu'on va essayer plus simple. Hein. Je comprends bien. Par exemple, je vais vous dire arbre. Oh, le cyprès. Oh, le sapin. Le formica. Le quoi? Le formica, t'es sourde. Oh. Oui, Globuline est resté coincé aux années 60. Il adore les années 60. Ah oui, les années twist, j'adore, mon maître. Bichou, ma biche. Ah, je saignais les jeunes pucelles à l'arrière des dauphines. Et quand j'ai gorgé une ménagère dans sa cuisine, hop, un coup d'éponge. Plus aucune trace. Non mais désolé, mais la nostalgie n'a pas sa place dans le monde capitaliste. Oui, le capitalisme est une course en avant. Quel dommage. Il y a tant à prendre dans le passé. Oh bah alors, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de moi. Faites du vide-grenier, tiens. Je m'en vais. Non, pas reste là. Pas de nostalgie, surtout pas de nostalgie. Nous sommes au 21e siècle. Allons, marche en avant. Continuez, jeune fille. Oh, mais ça respire trop la naphtaline, votre concept. Oui. Il faudrait être plus moderne et plus mordant. Allez, plus mordant. Vous seriez dans ma boîte. Oh, bah, vous seriez mangé tout de suite. Eh bien, tenez, rentrez dans la mienne, vous subirez le tout sort. Ah oui. Ah, vous vous imaginez, là, oh, sans foi ni loi. Mais vous n'êtes rien à côté des terreurs du capital. Ah bon? Oui, des petits agneaux crétins. Des agneaux crétins? Oui, vous savez pourquoi? Non. Vous êtes trop sentimentaux. Au revoir, messieurs. Trop sentimentaux. Mais non, ne partez pas, Natacha. J'ai versé un acompte sérieux même. Non, Natacha, ne partez pas. Oh, c'est pas possible. Non, mais quel sommeil, l'aigreluche. On s'en fout de son capital de mes deux. Ouais, bon moment. Je t'en foutrais des petits agneaux crétins. Ah oui, moi j'aurais dû la saigner comme un cochon. Mais il paraît qu'il faut pas faire de mal autrui. Hein. Ah, ce soleil, je vais fermer ce soleil. Ah. Oh. Mais quand même, faut dire qu'elle a du caractère, cette petite. Quoi, cette pouffe? Elle mérite qu'une fessée. Ah, ça y est, monsieur, heureusement. J'ai rattrapé le coup. Et vous avez mordu dedans? Dans quoi? Dans le cou, je veux dire. J'ai pas mordu dans le cou, j'ai rattrapé le cou, j'ai rattrapé la fille. Je l'ai persuadée de continuer la formation. Oh non, c'est nul. Nul, pardon. Non, vous avez bien fait. Elle est tellement formidable, cette fille. Oh oui, elle est tellement intelligente. Intelligente? Cette greluche! Oui, elle a un esprit vif. Un esprit vif et savant. C'est très rare chez les femmes. Je suis désolé, mais parmi les femmes, j'ai fréquenté Dalida, Jack Lang et Martine Aubry, c'était quand même autre chose, hein. Non, c'est elle, elle est bien supérieure. Et vous savez quoi? Je crois que je l'aime déjà. Oh non. Oh là. Oui, je l'aime parce que je sens que c'est un petit oiseau fragile dans une robe de pierre. Mais on s'en fout qu'elle porte une robe de l'abbé Pierre. Non, mais il n'y a pas plus emmerdeuse que cette gonzesse. Je t'interdis de parler d'elle en ces termes. J'ai compris que c'était une reine du monde. Compris. Elle sera bientôt mienne. Sur ce, je retourne me coucher. Vous pensez à la paix. Quoi, il y a un problème? Oui, il y a un problème. Vous n'allez tout de même pas retomber amoureux. Et pourquoi pas? Oh là là, la galère. La dernière fois, c'était la princesse de Clèves. Vous avez été malheureux pendant 62 ans. Oui, mais malheureux par amour. Que c'est bon. Mais vous êtes trop vieux! Non, mais c'est pas un râteau que vous allez prendre, c'est tout monsieur bricolage qui va vous tomber sur la gueule! Arrêtez. Pas du tout, je m'imagine très bien avec elle. Je m'imagine partir tous les soirs avec mon petit scooter et aller chez elle, mon casque. Et nous vivrons une belle histoire d'amour, voilà, je vous le dis. Bonne nuit, messieurs. Mais nous voilà qui est, dis donc. Amoureux, dis.
Ah, mais faudrait lui trouver deux ou trois putains pour le distraire. Non, mais je vais demander au maire s'il n'y en a pas dans la commune. Gardez, putain. Reste ici. Je ne veux pas de putain. C'est elle et pas une autre. Et vous savez quoi? Non. La cerise moisie sur le gâteau. Oh. Cette jeune fille est vierge. Vierge? Oui, vierge. Vierge et immaculée, comme une première neige de Moldavie. Oh, je vous le dis, c'est le bon Dieu qui me l'envoie. C'est le bon diable qui me l'envoie. T'as eu peur, toi? Ah, sous tes herbes costauds, t'as eu peur. Mais j'ai tourné les boules. Cette prétentieuse de mes deux a bien réussi son coup. Non seulement mon maître est à ses pieds comme une vieille savate, à boire ses paroles et à lui obéir au moindre de ses caprices, mais nous voilà au sommet d'une montagne de pognon comme les pixous du Qatar. Parce que le pire, c'est que ça marche. Hein? Plus on ramasse, plus il y en a à ramasser. Archi nul le capitalisme. Et même pas bandant tellement c'est fastoche. Enfin, surtout pour eux, hein. Parce que moi, je comprends pas tout. Et je m'en fous comme de ma première sucée. Oh, oh, ce que c'était bon. Ah, oh, c'était le bon temps, nos bonnes vieilles anciennes virées nocturnes. Oh non, mais qu'est-ce que je donnerais, moi, pour ressaigner un humain? Même une vieille, hein, toute desséchée. Non, mais au lieu de ça, on perd notre temps à boire leur tasse de Nespresso. Ah, how do you do, my darling? Oh, thank you very much. Oh, the barrage me goulaille le fion. Archi nul, nous de super vampires. Mais ils ne perdent rien pour entendre. T'entends-toi? T'es témoin. Hein, 100%. Ils ne perdent rien pour attendre. Hein, moi, je vais les mettre à terre. Ils ne sauront rien. La seule chose que je crains, ce sont les colères de mon maître, qui sont terribles. Mordicus de chiottes. Une mouche. C'est le malin qui me l'envoie. Hop! Oh, une femelle bien nourrie. Enfin, du frais à sucer. Il y a de tout là-dedans, hein. Il y a du lait, des œufs, du sang, une mouche Kinder, ça requinque. Mademoiselle, veuillez ne pas nous déranger, la réunion va commencer. Je vous remercie. Bien, alors voyons bien les premiers résultats. Bon, les progressions sont formidables. Agroalimentaire plus 5%, informatique plus 20%. Pharmacie plus 40. Oh, plus les gens sont en crise, plus ils sont malades, c'est normal. Pas mal. Et le secteur vente en vrac, ça donne quoi? Moins 27. D'accord. Globuline et sanguinelle sont encore à la ramasse. Ah, s'ils n'étaient déjà morts, ces deux-là, je les tuerais. C'est pas possible. J'ai demandé qu'on ne me dérange pas. Quoi, la Côte d'Ivoire? Ils ont reçu 50 000 anoraks tibétains. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous voyez ça avec le service d'exportation? Mais oui, je ne vais pas tout faire ici, non? Bon, allez, à plus tard. Service d'exportation, c'est... Eh ben c'est globuline et sanguignol, encore une fois, bien sûr. Ils n'assurent pas un caramel, ces deux-là, c'est pas vrai. Putre et couille de Satanas, ça va chier! Ah, vous voilà, ma beauté baignée de lumière. Oh, ça va, Dracula, ne rajoutez pas. Hein. Avez-vous reçu mes fleurs? Oui, mais il faudrait arrêter avec ça. Oh. Bah, bah oui, il y en a trop. Oh. Mon appartement, bah c'est plus un appart, c'est un cimetière. Oh. Et puis, vos fleurs en plastique. C'est pas la joie, hein, c'est... Ah oui, mais alors quand j'achète des fraîches, elles fanent aussitôt, je ne comprends pas. Bah... J'aime tellement vous faire plaisir, Natacha. J'aime tellement vous faire plaisir. Oh, je sais bien, Président. Oh, vous êtes très sympa, hein?
Mais ne mélangeons pas le travail et les sentiments. Vous avez raison, ne mélangeons pas le travail et les sentiments. Tout à fait normal. Bien, alors qu'avons-nous à l'ordre du jour? Vous avez un cheveu qui est coincé dans votre collier. Oh, permettez ainsi que je l'enleva. Non, mais il a ses chaleurs encore. Non, ne pas mordre. Ne pas mordre. Voilà, je me contrôle. Le business, Dracula. On ne pense qu'au business. Et le business, vous avez raison. Le business marche très fort. Nos progressions sont fulgurantes. Ah oui? Toutes nos courbes sont en érection, c'est incroyable. Montrez-moi. Oh, bah, c'est une réussite totale. Bah oui, j'ai demandé à Globuline de nous faire un graphique. Je pense qu'il l'a fait. Voilà, il est ici. Tout est fait. Ah bah très joli. Oui, je suis désolé. Il dessine ça partout. Depuis qu'il a perdu la sienne, il essaie de la remplir. Enfin, en tous les cas, notre succès est immense. Eh ben, c'est pas mon avis, hein. Comment? Peut mieux faire. Ah bon, ça ne vous satisfait pas? Non. Nous devons être les number one dans tous les secteurs. Mais tout à fait! Les number one dans tous les secteurs! Nos actionnaires exigent de gros efforts. De gros efforts? Bah, attendez, les actionnaires, c'est vous et nous, non? Bah, vous oubliez mes associés. Jean-Patrice de Saint-Sauveur, par exemple. Eh bien, il m'a fait savoir qu'il attendait mieux. Désolé. Oui. Celui-là, je ne l'apprécie pas du tout. Fraîchement sorti des grandes écoles, ce trou du cul. Avec un nom pareil, en plus Saint-Sauveur, quel nom atroce. Non mais, vous êtes injuste là. Bah oui, il a fait toutes les écoles, et puis il en est sorti champion en tout. Oui, business, bourse, karaté, golf, et même le tango argentin. Tango. En plus, il est très beau. Quoi? Toutes les secrétaires sont folles de lui, hein, vous savez. Vous le trouvez beau? Ah mais oui, on dirait Laurent de la Housse. Laurent de la Housse. Il ne peut pas être beau, c'est pas possible. Il boit de la Contrex toute la journée et bouffe des sushis. Du poisson cru, quelle horreur. Oui bah, vous devriez peut-être essayer, hein. Ça vous ferait pas de mal. Peut-être que ça vous enlèverait ce teint de cadavre. Ah oui. J'ai un teint de cadavre, moi? J'ai un teint de cadavre alors que j'entretiens ce teint de porcelaine exprès depuis tant d'années. Quand même, pour 250 ans, je suis bien conservé, non? Oui, ben nous nous égarons, monsieur Dracula. Hein. Mon maître! Mon maître! Ah, excusez le retard, je sors du pédicure et ça a occupé mes deux doigts de pied. Oh, épargnez-nous les détails, merci. Qu'est-ce qu'elle a à dire au général? Elle aime pas l'omelette aux champignons? Ça va. Expose-nous un peu ton compte rendu productif, parce que tu es en retard. Ah oui, vous allez voir, vous allez être content, j'ai bien travaillé. Allez, ben ça commence. C'est du productif éclaté. Pressons, le temps c'est de l'argent, monsieur Globuline. Ah, alors voilà. J'ai rencontré un type super sur le marché de la paillade. Il a inventé un petit appareil en fer avec une manivelle. Il met des pommes de terre dedans et du persil et ça devient une mousse onctueuse et les gens adorent ça. Oui, ça s'appelle un presse-purée, mais ça existe depuis plus de 100 ans. Ah bon? Eh ben peut-être, madame, qui sait tout là, hein? Mais lui, il fait de la purée persillée et les gens aiment vraiment ça. Et tac! Proposition rejetée, autre chose? Oh, est-ce bien utile? Oui, quelquefois il a des bonnes idées, quelquefois. Tiens, prends ça dans les dents, Ségolène. Alors voilà, ma seconde idée. Oui. Oh là là, excusez le retard. Oh, je suis désolé, j'ai pas vu le temps passer. J'étais défilé de mode de Jean Golpotier. Oh, c'était super. Figurez-vous que j'ai vu là-bas un jeune couturier du nom de La Tulipe. Oh, je sais pas s'il est parent avec Hollande, mais bon. Il nous a présenté sa collection de maillots de bain. Oui, cette année, la tendance, c'est bikini à l'envers. On garde le haut, on enlève le bas. Et puis alors, mesdames, interdiction de s'épiler, hein, de se raser. Non, on garde tous ces poils et on les teint en vert fluo. Ça va être super. Super génial. Le top du top du top. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai un fil qui dépasse. Monsieur Sanguignol, vos réunions de Tarlouse dans le défilé de mode ne nous intéressent pas. Oh bon ? Ah, parce que c'est nouveau, ça tient. Parce que la mode, c'est pas rentable, peut-être. Mais figurez-vous qu'avec ces cucchini, on va se faire des canines à nord. Des cucchini ? Oui, des cucchini, ça vous irait bien. Vous devriez essayer. Sans moi, hein. Déjà des maillots, j'en mets jamais, mais si en plus il faut montrer mon cul en fluo à tout le monde, je vais remourir de honte. Bon, écoutez messieurs, trop, c'est trop. Hein? Votre folklore, là. Il est sympathique, certes, mais il n'a rien à faire dans une holding comme la nôtre. Désormais, nous nous passerons de vos services, merci. Quoi ? Vous êtes viré. Passez à la comptabilité. Permettez, ma douce, mais je suis quand même le PDG de cette entreprise. J'ai quand même un petit peu mon mot à dire. Oui, mais je sais bien, président, mais il n'y a rien à en attendre. Comment voulez-vous conquérir le monde avec des monsieur Crespuré, hein, et des madame Cucchini? Vous savez, ce sont des fois les idées les plus farfelues et débiles qui marchent le mieux. Hein. Voyez, c'est ta boutique qui a inventé un jour un petit steak haché dans un pain rond, là. Ah oui, j'adore ça! Comment ça s'appelle déjà? McDo Banane. Ah oui, j'y vais la nuit quelquefois pour y faire du toboggan. Messieurs. Et le ketchup, ils adorent ça! Et j'adore ça aussi, j'en raffole. À sucer sur place ou à emporter. Bon, messieurs, je vous donne une dernière chance! La dynamique commerciale de notre entreprise et de notre productivité doit être exponentielle et entraîner un accroissement de nos bénéfices capitalistes pour satisfaire la voracité légitime de nos actionnaires. Ah. Oh. Bravo. Comme ça, on va rebondir. Très drôle. Mais attendez, moi j'ai dit que j'avais l'idée du ciel, alors si on me la demande, je la dis. Je la dis si on me la demande. Oui, bon, dites-nous plutôt pourquoi. Non, vous avez fait livrer. Ah voilà, 5 tonnes de tongs, hein, au Groenland. Quoi? Oui, regardez le fax. C'est pour marcher sur la banquise. Des tongs pour marcher sur la banquise? Exactement. Quand on marche, ça fait clac, clac, clac et ça éloigne les ours polaires. Vous vous foutez de nous? Moi, j'en sais rien, moi. Non, mais il y a certainement une gourance. Gourance? Oh! C'était pour la Côte d'Ivoire. Ah! Bah, je comprends tout, alors. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont reçu 50 000 anoraks tibétains. De toute façon, ils sont chiants, ces étrangers. Ils sont jamais contents. Monsieur Sanguignol, approchez-vous. Dans la lumière que l'on vous voit. Ah oui. Hein? Pardon. Le capitalisme est une machine incontrôlable. Et puis qui ne doit jamais arrêter sa course au profit. Elle a raison. Nous devons de ponctionner de partout. On a toujours plus. Les courants, comme vous dites, sont des freins à l'improductivité. Oh, ça y est, je me sens mal. Il me faudra du dos d'espresso parce que là, je... Encore une baisse de régime. Oui, une baisse de régime. Mais vous êtes pénible, hein. Allez nous faire chauffer ça, vite fait. Moi, vous pouvez pas aller me faire chauffer de l'eau, ça va y aller. Ah non, c'est vous la femme dans ce bureau. Bon, bah j'ai fait alors. Mais c'est fini, oui. Oh. Vite, ma bouche. Arrière, Satanas. Arrière. Engeance de Didi Satan. Vite, j'ai tout. Oh, ma dose. Non, vous me fatiguez, les mecs. Vous me fatiguez. Je m'en fous. J'ai de quoi patienter. Hein, c'est quoi? C'est parce que c'est... C'est quoi? Un cœur de cheval de chez Spanghero. J'en veux. Non, mais prenez pas tout le jus. Hein. Permets de patienter. C'est trop difficile, ça. Ces baisses de régime, c'est très difficile.
En tous les cas, quand vous êtes en manque, je vous interdis d'approcher la belle. Et pourquoi? Ben, elle est à tout le monde. Dites. Non, c'est la mienne. Oh, moi, elle m'énerve tellement que si je la chope, je la vide comme une confipote. Touche un cheveu de cette fille et ma colère sera terrible. Oh, mais on n'est même pas sûr qu'elle soit vierge. C'est pas sympa, hein. Vous ne partagez jamais, jamais. C'est la mienne et elle est vierge. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Une diplômée de haut niveau est toujours vierge. Oh, oh, oh. 9 années d'études ne permettent pas la place à la bagatelle. Alors vous prétendez que cette charmante créature n'a jamais connu le plaisir? Bien entendu, elle a connu le plaisir des études bien faites, des diplômes, le plaisir des affaires et le plaisir de me rencontrer moi. Vous avez vu comment elle me dévore des yeux? Oh, je l'aime, je l'aime. Oh, il est gras, Pépère. Hein. Ça me rappelle la fois où j'ai saigné une prof de maths. Elle était socialiste et pucelle. Du vrai jus de betterave, elle n'avait aucun goût. Bon, prenons. Ça va durer longtemps ce délire de ramasse-pognon là. Mais bien entendu, vous ne voyez pas que le pognon m'enivre. Nous redevenons les puissants de ce monde. Allez, pas, je vais vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir, je vous autorise à aller saigner un bel âme. Oh, qui la nuit prochaine. Qui ça? Il ressemble à de la housse. Il s'appelle Saint-Sauveur. C'est un gars de la boîte. Elle le regarde avec un certain regard sexuel qui ne me plaît pas du tout. C'est ça. Hein, il faut saigner un peigne-cul de capitalo pour satisfaire la jalousie du maître. Tu refuses? Non, vous inquiétez pas, mon maître. Hein. Je vais lui saigner le CAC 40 Paris-Bourse. Faites-le vite et très vite. Si par malheur j'apprenais qu'elle n'était plus vierge, je vous ferais incinérer tous les deux. Comme maman. Oh, ah non, quelle horreur! Et je vous mettrai tous les deux avec maman dans ce bocal. Oh. Maman. Ouais. Allez, ça me reprend. Tu as encore du spanguiro là? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, en affaire, elle est bien, mais alors pour les travaux ménagers, faire cuire de l'eau, elle sait pas. Ah bah c'est une femme, là. Vous parliez de moi? Ah non, moi, non, non, c'est pas de l'enfant. Mais pourquoi brûlant, on s'en moque? On craint pas le chaud, hein? Oui, bah alors brûlez-vous la gueule, hein, voilà. Toujours aussi dégueulasse, hein, ce Nespresso, mais au moins ça recalque la gueule. Ah oui. Merci, ma douce, merci. Vous nous sauvez la vie. Sauver la vie à des morts, c'est pas difficile. Bon, et maintenant, reprenons la réunion. Non, nous n'avons plus le temps, monsieur le président. Ah bon? Oui, nous avons un avion pour le Qatar, rappelez-vous. Ah bon, le Qatar? C'est l'émir Ben Salouf. Il veut investir dans nos usines aveyronaises, alors. Ah bon? Dans nos charcuteries de cochons? C'est islamiste. Bah, oui. Lorsqu'il s'agit de pognon, bah, l'émir du Qatar se fout de la religion, hein. Ils sont terribles, ces gens du Qatar, hein. Ils sont comme les Chinois, ils nous rachètent tout, hein. Vous allez voir qu'ils vont nous racheter nos dents. Ah non, quelle horreur! Enfin, puisqu'il le faut, hein. Mieux vaut Qatar que jamais, hein. Allons-y, le Falcon nous attend. Oui, attendez! Non, moi j'aime pas qu'on prenne pour un guignol ici, hein. J'ai dit que j'avais l'idée du siècle pour gagner du flouze, alors j'aimerais bien qu'on m'écoute, hein. On n'a pas bien le temps. Mais je t'accorde 2 minutes, pas plus. Ah. Alors, voilà. En ces temps de crise économique internationale, qui ralentit la croissance et appauvrit le petit peuple, ce que je regrette personnellement... Ça fait déjà 1 minute. Toi, ta gueule. J'ai eu l'idée de vendre un produit au plus grand nombre. Vous connaissez certainement l'expression « se vendre comme des petits pains ». Alors j'ai réfléchi, j'ai puisé au fond de mes entrailles, et là c'est venu des voix d'outre-tombe. Je me suis dit... Je te le donne dans mille et mille, qu'il fallait vendre des petits pains. Bon, on y va, hein, l'avion attend. C'est très intéressant comme proposition. Dans le genre, tu as aussi comme expression, mon cul c'est du poulet, boire comme du petit lait, hein, ou alors pédaler dans la choucroute. Ou pédaler dans la choucroute. Cherche, il va y en avoir d'autres, à mon avis.
Oui. Il y a se ramasser une gamelle aussi. Non. Vous êtes des bâtards, hein? Je vous déteste tous et tout ce que j'ai à dire. Allez, fais pas la gueule. Fais pas la gueule, ton truc à toi, c'est les caveaux crasseux, c'est l'épouvante. C'est pas le commerce. Oh, ben moi je préférais les capucités, hein. Moi, je saignais des petits branleurs à casquette. Bon, j'étais défoncé au hache, mais au moins, je m'amusais. Eh bien, moi, toi, j'y prends goût au business. Ah oui, je rencontre plein de gens véreux. Je trouve ça super. Mais tu sais quoi? On devrait se prendre en main tous les deux. Et arrêter d'obéir à qui tu sais. À qui je sais? Et je sais qui. Tu sais bien que tu peux pas prononcer son nom, même de loin, il entend tout. Ah oui, Dracula! Oh, il est con! Ah bah oui, il est con, Dracula! Oui, il s'agit bien de lui, oui. Tu vois pas qu'il n'est plus lui-même? Cette fille nous tourne la tête, il n'est plus lui-même. Mais comment faire pour qu'il s'en détache? Faut se débrouiller pour que cette fille ne soit plus vierge. Ah, pigé, hein, je la croise dans un parking, je la viole vite fait bien fait. Et tu la violes avec quoi, là? J'oublie que ta queue est tombée en 750. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Ah, que moi, c'est pas mieux, hein, je suis tout droit dans l'eau et puis en plus, j'aime pas les filles. Bon, mais tu sais, ce qu'on va faire, j'ai une idée. Comment faire? Le bélâtre, là, oui. Non seulement on va pas lui saigner le CAC 40, là, comme tu dis, mais on va se débrouiller pour le mettre dans le lit de la pucelle. Oh, mais facile à dire, il est coincé et timoré comme une grille de cimetière. Non, on va leur tendre un piège, tu verras, ça déclenchera la libido. Laisse-moi faire. Attends, je prends le téléphone digital et je vais appeler. Chut, je me laisse faire. Allô, Jean-Patrice? Oui, bonjour, c'est Gilbert Lapère, le secrétaire de Natacha, c'est cela, oui, c'est cela, oui. Oui, alors, elle m'a chargé d'une commission extrêmement importante, hein. Une affaire qui va nous rapporter des millions de dollars seulement, il ne faut en parler à personne, hein. Voilà, alors, elle vous donne rendez-vous au Sofitel le vendredi 20. Voilà, alors, vous dînez ensemble, elle paye l'addition, et puis elle vous expose la nouvelle affaire dans sa chambre. Voilà, c'est très bien, mais surtout, top secret, hein. Vous n'en parlez à personne, ça ne doit pas transpirer. Merci, au revoir. Oui, mais bien entendu, au plaisir, c'est cela, oui, c'est cela. Et voilà, travail. En cela, père, il n'y en a pas de commune. Attends, je vais envoyer un texto à la petite. Tu vas voir si elle ne va pas y aller au rendez-vous. Et si Dracula veut la suivre? Lui dira pas. T'en fais pas, envoyer. Et elle lui dira pas, c'est une chienne en affaire. Oh, comment une fille aussi jolie peut être aussi pourrie à l'intérieur? Eh oui, tout le contraire de toi. Non, laisse tomber, là. Tu peux pas comprendre. Et puis, mets plutôt de l'ordre dans tes histoires de tongs et d'adonrac, là. Hein. Ouais, parce que quand Dracula va s'énerver, il va nous empaler tous les deux sur un candélabre. Quoique. Se faire empaler, pourquoi pas? Oh, et voilà! C'est à moi de faire tout le boulot, comme d'habitude! Et comment ça marche? Allô? Allô? C'est le mec des tongs? Passez-moi les anoraks! Non mais il y a quelqu'un! Non mais vous voulez que je vous morde le fion? Non mais allez tous vous faire foutre! Ah, bon sang, bon sang! Oh là 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 là! Oh, c'est super! On est passé number one dans la liste des fortunes mondiales, dis donc! Number one! Ah, comme quoi c'est facile de gagner du pognon, malhonnêtement, hein. On pompe à gauche, on pompe à droite, on mord dans le chuteux, et quand il n'y en a plus, on va pomper ailleurs. Oh,
les kikinis. Je l'avais dit que ça marcherait 5 milliards de chiffres d'affaires. Oh, oh, comme quoi c'est facile, hein. On enlève le bas et on récolte plus haut. Oh là là. Allô? Allô? Non, 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 je suis très inquiet. Vraiment, deux jours que je n'ai aucune nouvelle de Natacha, je ne comprends pas. Allô? Natacha, je vous laisse encore un message sur votre boîte vocale. Je vous supplie de me répondre, s'il vous plaît. Hein? Dépêchez-vous, merci. Bon, pourquoi elle ne me donne pas signe de vie? Donner signe de vie, c'est pas un truc de vampire, ça. Je sens comme un parfum de trahison ici, je ne sais pas. Mais non, mon oncle, qu'est-ce que vous allez imaginer? Regardez, toutes les courbes sont en hausse. Toutes les affaires marchent au top. Oui, oui, mais... Nous sommes tout le temps les meilleurs, on est number one. Je veux qu'on me dise où elle est, c'est tout. Ah, j'ai entendu une pluie, je crois qu'elle arrive. Mon maître! Mon maître! Mon maître! C'est le bordel! Il y a une manif de gueule, au moins 5 km de long. Ben laisse tomber. Ouais, ils demandent des augmentations du pouvoir d'achat, la retraite à 45 ans. Ce sont des trucs de conneries de travailleurs humains, ça. Mais pourquoi on leur donne pas? Comme ça, ils arrêteraient de gueuler. Mais dis, t'es malade, non? Si on ouvre les robinets. Hé, nos dividendes, alors. Ah, moi, je dis que si on fait rien, ça va péter. Bon, mais qu'est-ce qu'il en pense, notre super PDG? Allô? Allô? Mon maître, on vous a posé une question. Non, j'ai toujours rien, je suis toujours sur la boîte vocale, je ne comprends pas. Non mais les gens sont dans la rue, mon maître. Non mais écoutez vous-même. Oh non, elle n'est pas là, elle n'est pas là, je ne comprends pas. Où est-elle? Vous voyez pas que je souffre là? Oh, ben voilà. Alors il souffre, c'est pathétique. La fille n'est plus là, alors il n'a plus de solution. Si, j'ai des solutions. Les gens sont dans la rue, c'est pas grave, il faut laisser faire les politiques. Quand ils sont à droite, ils accusent la gauche, quand ils sont à gauche, ils accusent la droite. Voilà. Et quand ils ont fini de s'accuser, ils font quoi? Ils créent une crise, une belle crise mondiale et tout le monde est d'accord. Pas plus compliqué. Ah bah oui, pas plus compliqué. Allô? Ça ne me dit pas où elle est, vraiment, je... Oh, écoutez, laissez tomber. Avec tout le pognon qu'on a là, hein, vous pouvez vous payer 2000 vierges. Non, c'était... Et pas une autre, mais je la vois, je la sens. Je la vois, elle est à New York. Je ne sais pas ce qu'elle fait à New York, mais je la vois. Elle est au pied d'un grand immeuble, un hôtel, le Sofitel. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est au Sofitel. Elle n'est pas seule. J'y vais de ce pas. Malheur à celui qui touchera un cheveu de cette fille. Non mais n'y allez pas, mon maître! Non mais si vous y allez, vous saignez une femme de chambre, vous allez vous retrouver en tôle! Mais non, au contraire, laisse tomber. Laisse-le découvrir l'irréparable. Tu vois bien, notre plan a super marché. Ah oui, la fille n'est plus vierge. Ah, je l'espère, oui. Et quand il va le découvrir, hein, il va la rejeter comme une gueuse. Et nous serons les maîtres de la holding. Non, oh, rien à faire. Moi, j'en ai plus cassé de ce monde de vampires, de requins de la finance. Mais tu es malade de cracher sur notre nouvelle fortune. Tu vois pas que c'est jouissif que l'argent nous rend fort et beau? Ah ouais, là-dessus c'est vrai, hein. Les filles me regardent plus comme avant. Ben oui, elles sont là nos vraies valeurs, les forces du mal. Il faut le dire à tous nos amis vampires. Bon, sortez là, j'ai à parler à monsieur le président. Ah. Il est pas là, il cherche sa mumuse. Sa mumuse? Oui. Mais dites donc, ma jolie, vous avez de jolies couleurs! Ah oh bah oui! En effet, vous êtes rayonnante! Bon, vous l'étiez sympa! Oh oui! J'ai passé un week-end de rêve! Aïe! Elle a peut-être vu le loup! Quel loup? Ah bah je sais pas, il est peut-être sous la douche! Bon, ça suffit là! Ouh! Appelez monsieur le président, je dois lui parler. Je regrette, il n'est pas joignable maintenant si vous avez laissé, si vous voulez laisser un message. Non, je dois le voir directement les yeux dans les yeux, hein. Et faites-lui savoir. Mais moi, je sors rejoindre mes camarades dans la rue. Les camarades dans la rue? Ben oui. Elle a des camarades maintenant? Ben oui. Ah, tous ces camarades des grandes écoles. Oh, mais ça colle, ça, hein. C'est peck. J'ai...
Qui c'est qui a mis ça là? Non mais pas arrêter de cultiver des araignées ici, hein. Ne fais pas trop, tu vas revoir de sortir. Non mais... Bon alors oui. Ah mais oui, tous ces têtes de nœuds du CAC 40. Mais tu es malade de cracher. Du cracher sur les cerveaux qui ont fait notre fortune. Eh, hey, tu ne sais que ces types-là ont un cerveau et qu'ils ont travaillé très dur avec Dracula et notre tordu pour faire notre nouvelle fortune et du crash dessus. Ouais. Personne ne t'écoute ici. Tout le monde m'en regarde. Tu sais ce que tu devrais faire, tu te... Parce que c'est hyper important, ça. Je me pose. C'est hyper important. Faudrait que tu le répètes, ça. Ouais. Allez, 3, 4. Arrête de cracher sur les cerveaux qui ont fait notre nouvelle fortune. Hein? Mais dis donc, qu'est-ce que tu fous en ton gamin? Je lance la mode du chaud-froid. Chaud-froid? Ah bah je sais pas, je sais des trucs, la mode c'est tellement con des fois. N'importe quoi. C'est plus globuline, c'est une orange sanguine. Cette année, le buste gardera le chaud, tandis que vos jolis pieds resteront à l'air. Non mais j'essaie d'écouler mes stocks, je cherche des trucs. Oui, mais tu ferais bien de trouver des trucs, hein. Parce que tu fais perdre de l'argent dans la boîte. Et ça, tu vois, c'est intolérable. Mais qu'est-ce qu'elle a, la tafiole? Elle veut faire sa chef. La quoi? La tafiole. Où les copines? C'est moi, l'obus. Ah, je suce à tous les rayons, poussez-vous que je m'y mette. Sale bête immonde. Tu es aussi pourri à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu devrais aller te cacher dans un trou. Ah, et c'est qui va me mettre dans le trou? C'est pas caché. Oh, mon enfant, libérez-moi de cette bête immonde. Je ne peux plus la supporter. Ah, moi, je ne peux plus travailler avec cette tarlouse. Oh. Fermez-la. Je suis trahi, anéanti. Premièrement, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas saigné le bélâtre comme je l'ai demandé. À cause de son costard. Voilà, oui, je vais vous expliquer. Quand on est arrivé là-bas, on n'a pas pu l'approcher. Il portait un costume de Christian Lacroix. Foutez-moi. On réglera ça, ce problème, plus tard. Parce qu'il ne s'agit pas de cet homme-là. Ah. Natacha était avec un autre homme. Non. Si. Elle a osé. Oui. Oh, quelle dépravation, quelle trahison. Et c'est qui? Un ex-directeur du FMI, donc il faut faire le allez me le chercher. Tout de suite. Je vais lui couper la queue, ça va lui rendre service. Et voilà, c'est la charia du vampire. Tu voles, on te coupe le bras, tu baisses, on te coupe la queue. Nathalie, est-ce que Natacha est rentrée à son bureau? Ah, elle est rentrée. Très bien, envoyez-la moi immédiatement. Je veux lui parler. Merci. Cette cravate que je n'ai jamais réussi à mettre. Évidemment, on ne se voit pas dans les miroirs. Comment je peux faire? Toujours la cravate de travers. J'aimerais tellement être un président normal. Vous vouliez me voir? Eh bien, ça tombe bien, moi aussi. Ah, vous voilà, maudite fille dépravée. Je vous maudis. Pardon? Oui, ne faites pas l'innocent, je sais tout. Je sais pas de quoi vous voulez parler, hein. Mais moi, je vous présente ma démission. La voici. Démission? Mais oui. Vous avez vu tous ces gens dehors, là, sacrifiés sur l'autel de vos finances? Mais je me fous des gens, moi, je vous parle de vous, qui avez osé perdre votre virginité la nuit dernière. Non, mais dis donc. Est-ce que je vous demande, moi, si vous êtes toujours puceau? Attention, Natacha, vous êtes à moi, vous êtes ma muse, vous êtes ma chose. Votre chose? Non, mais vous arrêtez de fumer le piquet, ça, mon petit gars. Je m'en vais, je vous dis. Non, Natacha, ne partez pas. Bon, après tout, que vous ne soyez plus vierge, bon, je peux le concevoir. Ça arrive à des femmes bien, c'est moderne, c'est d'époque, bon, d'accord. Mais ne me quittez pas, vous ne pouvez pas me quitter. Non, c'est pas possible, parce que si vous me quittez, je suis capable du pire.
Et quel pire? Vous le pratiquez déjà, le pire? Ah non, j'ai cessé d'être vampire le jour où je vous ai connu. Je vous parle de vos multinationales. Celles qui se gavent là sans vergogne en laissant des milliers de gens sur le carreau. Je ne vous comprends pas, c'est votre enseignement. Regardez, notre réussite est magique. Magique, mon cul? Oh. Oui, de la saloperie en branche, oui. Alors là, je ne comprends pas. Vous entendez la rue? La rue? Eh oui. Ils arrivent, tous ces gens-là, là. Eh bien, c'est ceux qu'on a virés par nos méthodes et nos délocalisations. Alors, je vous comprends pas. C'est vous qui avez fumé mes fleurs en plastique, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Mais rien. J'étais une salope, aveugle et inhumaine. Mais j'ai changé. Et je sors rejoindre mes camarades. Suivez-moi, venez avec moi dans la rue, non. Venez. Qui vous a tourné la tête? Oh bah, c'est un garçon formidable. Beau comme un Brad Pitt. Ouais. Ah oui, et surtout, avec 250 ans de moins et les dents moins longues que vous. Je suis désolée. Natacha! C'est pas possible! Maintenant c'est un Brad Pitt, mais je ne peux pas lutter, moi! De là où c'est un Brad Pitt? Nathalie, ma calèche, vite! Quelle calèche, monsieur le président? Ma limousine, connasse! Bon, alors on n'a pas pu l'approcher, hein? Ouais, oui. On est passé par tous les côtés, hein? On n'a pas pu l'approcher, son hôtel était cerné par les journalistes. Mais laissez tomber, c'est même pas lui, c'est encore un troisième. Oh là là, quel appétit. Encore un bellâtre, qui ressemble à Brad Pitt. Oh, un révolutionnaire de la rue. Oh là. Oh, je m'en doutais. Ainsi que Babal Cool de la manif. Il gueulait dans un haut-parleur et elle le dévorait des yeux. Elle dévorait des yeux. Moi, je vais aller lui dévorer les yeux aussi. Ah oui, il a un nom de ouf en plus, hein. Ange le feu. Ah, le feu. Exprès pour nous énerver. Ouais, c'est lui qui conduit toutes les manifs contre les capitalistes. Ouais. Toutes les manifs du monde entier. Et il y en avait une devant l'hôtel Sofitel l'autre jour. Et c'est là qu'elle a dû le rencontrer. Il lui a fait son bar à terre. Elle est tombée sous le charme. Faut dire que... il est beau. Hein. Il ne va pas être beau longtemps, croyez-moi. Ah, je vais lui couper la tête comme un Louis VII. Allez, allez le chercher. Non, attendez. Il n'est pas seul dans la rue, là. Hein? Ah non, il n'est pas seul. Voilà, les manifestants. Oui. Je me fais tous les manifestants, un par un. Faut prendre des forces, va chercher une espresso. Ah, on va prendre des forces, on va tous se les faire. On va leur montrer qui est Dracula, le maître du monde. Mordicus de chiottes. Ah, mon maître. Il y a la flotte, mais il n'y a plus les dosettes. Quoi? Nom de Dieu. Ça, c'est un coup à Natacha. Elle a tout viré pour nous anéantir. Dracula, nous sommes perdants. Ouais. Dracula, nous sommes perdus. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, elle peut pas nous faire ça. Eh bien si, avec vos histoires de cul, les vampires vont retomber dans la poussière. Et moi, il me faut du sang. Mais non, mais finalement, c'est Natacha qui a raison. Natacha est la plus forte, alors je me soumets à sa volonté. Voilà. Non, mais vous pétez un câble ou quoi? Non. Notre place est avec les gens de la rue, finalement. Je cède le vampire Stead Building. Quoi? Céder notre empire? Non, mais ça va pas la tête. Je te dis, notre place est avec les révolutionnaires, ça sera beaucoup mieux. C'est ça! On va les défiler dans la rue comme des cakes, hein? Ah bah, les patrons, filez-nous du pognon. Vous ferez comme je leur donne. Non, il y a la marre de vous obéir, Dracula. Vous ne faites que des bêtises avec cette fille, elle vous a tourné la tête. Alors maintenant, je vous dis stop. Stop! Oui? Tu oses dire stop au prince des ténèbres? Oui. Oh putain, ça craint, c'est le PDT quand même, hein? Tu oses dire stop au PDT? Oui. Très bien, et ça? Ah! Alors, vous pouvez faire joujou avec les nuages, avec les éclairs, vous savez. Ça ne m'impressionne plus du tout. Eh oui? Ce que tu ne sais pas, c'est que je connais le régisseur de ce théâtre. Et si je veux, je peux tout mettre dans le noir! Dans le noir! Allô? Les services généraux? Dites donc, ça vous emmerderait pas de vous refiler le jus, là? On vous fait pourquoi? Hein? Alors? Ah ben merde, alors! Ah, je me suis fait une manchette, là!
Eh ben maintenant que Dracula est parti, c'est moi qui vais tenir les rênes. Ah ! Eh oui. Alors, ou tu restes avec moi et tu m'obéis, ou tu pars avec lui dans la rue avec sa tordue, il te faut choisir. Ah bon, il faut choisir ? Oui, entre l'indigné ou le capitaliste. L'indigné ! Non ! Le capitaliste ! Non ! Le capitaliste indigné, on peut ? Non, à tout choisir. Ah ! Messieurs, la révolution est en marche, il faut céder au pouvoir de la rue. Distribution des richesses, partage des bénéfices. Le vampire State Building est à eux. Bien dit, Président ! C'est le travail qui doit être valorisé, et pas le capital. Voilà. Vive Mélenchon ! Vive Mélenchon ! Vive Mélenchon ! Et t'as vu ça, elle est passée par les murs, là ! Foutre ah, elle est comme nous ! Foutre un cul. Elle est devenue vampire. Pas du tout. Vous nous avez trahis, Dracula. On avait un pacte de non-agression. Vous l'avez mordu. Pas du tout. Je suis mordu, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas mordu. Elle n'a pas traversé le mur, elle est passée par la porte. Bon, ne perdons pas de temps avec toutes ces bêtises. Oui, ne perdons pas de temps, ma douce. Voilà, alors établissons le nouveau contrat qui transformera la holding en coopérative ouvrière. Voilà, vive Mélenchon, vive Mélenchon. Quoi ? Filer tout notre pognon à des ouvriers ? Mais quelle horreur ! Non mais, c'est comme si je me mordais le cul pour m'aspirer moi-même ! Signez, Dracula, la rue s'impatiente ! Oh, mon oncle, ne signez pas ! Et les femmes conduisent le monde ! Les femmes peut-être, mais pas les vampires, hein. Vous êtes sa serpillère, mon maître. Et moi, je suis la serpillère de la serpillère. Et j'aime pas ça du tout ! Si vous signez... Je la saigne. Oh, bien joué. Ne crains rien, Natacha. Ta croix au cou te protège. Oh oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, Dracula. Ouais. Oh, je ne l'ai plus, je l'ai jeté. Quoi ? Oui, non. Oh, c'est Ange le Feu. Il me l'a arraché à cause de sa devise anarchiste. Ni Dieu, ni maître. Mais qu'il est con, ce le Feu. Mais qu'il est con. Ah, il a une nouvelle qui est excellente. Bienvenue au Vampire Club, ma série. Non, je t'interdis d'y toucher. Trop tard, mon gueule. Ta créature va devenir la mienne. Et voilà. Tout ça pour ça. Moi, je dis qu'il ne faut pas changer sa vraie nature. À plus forte raison lorsqu'on est une nature morte. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être heureux ? Boire le sang des jeunes pucelles pour prolonger nos vies. Et un petit peu d'amour. Oui, ma chérie. Un petit peu d'amour. Alors, cette idée de ponctionner le peuple et de ramasser tout ce pognon. Parce qu'à force, on va vouloir ramasser, 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 et on va faire exploser la planète. Alors, moi, si je pouvais avec mes petits poings, je me révolterais. Salaud, salaud, le peuple aura ta peau. Ça te fait rire, toi? Ouais, mais bon, je suis trop vieux, hein, pour ces bêtises. Vous voulez peut-être connaître la fin de notre histoire? Bah, manifestez-vous quand même. Mais pas de problème, mes chéris. C'est demandé si spontanément. Allez, entrez avec moi. Et venez et suivez votre serviteur. Bienvenue pour l'épilogue. Ah oui! Nous revoilà au point de départ. Enfin, pas tout à fait, hein. Il faut décrypter. Décrypter dans la crypte. Capito ? T'as pas compris, toi. Non, mais si tu veux, tu vas voir l'auteur, hein. C'est Dracula, il t'expliquera. Allez, debout là-dedans. Debout. Debout, on se réveille. Oh, ben c'est pas la peine de gueuler comme ça. Non, mais je gueule pas, je parle aux gens. Les gens? Oh oui, ils sont là. Oh,
Oh, Natacha! Madame Natacha, réveille-toi, il faut se lever, les gens sont là. Oh, oh mon cœur! Mais alors, je t'ai déjà dit de pas m'appeler mon cœur, j'en ai pas. Oh, excuse-moi, mon amour. Regardez-la! Non seulement elle est devenue vampire et elle a piqué mon cercueil, mais elle est tombée folle amoureuse de lui qui est pété comme un phoque. Qu'est-ce que tu baves encore là? Non, je fais les présentations. Et c'est bon, vous avez tous vos accessoires? Bon, je peux continuer à parler. Parce que c'est pas encore fait. Oh, quel mou du cul celui-là. Bah vas-y, dépêche-toi. Alors voilà, après que Monsieur Sanguignol est mort du label, notre empire s'est effondré comme un château de cartes. Bah oui, c'est le principe, hein. Lorsque la classe dirigeante se bouffe le nez, tout s'écroule. Mais nous, ça s'est pas écroulé. On a été rachetés pour 1 euro symbolique par des plus pourris que nous. Oh, bah oui, mais c'est le principe même du capitalisme, et... ma plate toute dorée. Et on s'est tous retrouvés en slip. C'est dur, hein. Surtout pour moi qui n'en ai jamais. Et qui vous a sorti du marasme, hein, c'est qui? C'est toi, mon petit canari des îles, oh, c'est toi. Merci de reconnaître, oui. Ma chère souris. Mais tu parles d'une sortie? Non mais regardez vous-même. Que du toc. Bienvenue à Vampiroland. Parc de l'horreur. En plus, c'est elle qui a trouvé le nom. Mais t'as quelque chose à redire? Oui, parce que moi, je suis pas un Mickey ou un Astérix. Je suis un vampire. Oh, jamais content, ce nabo. 10 000 personnes qui nous visitent tous les mois. Et tu ramènes encore ta fraise. Mais regarde, du schnock. Il nous dévore des yeux. Ah ben eux, oui, mais eux, ils ont le droit de nous dévorer, alors que nous, on n'a même pas le droit de les sucer. C'est pas juste. Oh, mais vire-le, mon poussin de cave-moisi. Il râle tout le temps. Je trouve le moyen de faire de l'argent facile, et puis il me critique. Oh, mais si Dracula était là, ça se passera autrement. Ah oui? Eh bien, tu n'as qu'à le lui demander. Quoi? Que je demande à l'aspirateur? Ah oui, vous avez peut-être loupé un épisode, là. Après que Dracula ait subi le râteau du siècle par la belle, Dracula est retombé poussière. Il s'est suicidé en bouffant de l'aïoli. Fin tragique. Maître Dracula! Maître Dracula! Alors, si vous êtes d'accord pour notre nouveau parc de l'horreur, Vampiroland, faites-le savoir! Oh, il est d'accord. Oh, c'est extraordinaire. Je suis toujours étonné. Comme une si petite créature peut renfermer un aussi gros cerveau. Oh, mais tu sais, hein, il est pas plus gros. Bah non, il est juste mieux rangé. Et plus dense aussi. Oh, pardon, danse. En place pour l'animation. Les pauvres mortels s'impatientent. Dans ce monde malsain, devant la télévision, ce soir à Galma. Pour avoir du sang frais, nous jusqu'aux les Français, nous en sommes dans le temps. On volait, mais on vient sucer nos voix. De la Tarlouse et du très beau Sanguignol, Jacques Frodillon.
Notre petite vampire et requin des finances, c'était Camille Baglan. Dans le rôle de la bête du très raffiné Globuline, Stéphane Hervé. De Dracula, pardon, l'auteur Christian Dorn. La régie au son, aux lumières, Laurent Ballero. Merci, bonsoir et attention, en sortant.